On a mis les téléphones, c'est vrai. Bon, ça c'est quelle chaîne ça? Ça c'est une autre. Comment est-ce que... Ouais, oh, voilà. Votre nom, votre organe de presse, et soyez attentifs aux questions que les autres posent pour éviter les redites. Jetez-vous à l'eau. J'aurais bien voulu commencer par une dame. Moi, c'est Rachel. Allez. Denise Joshua, je suis journaliste reporter d'images de la diaspora indépendante. Ma question est celle de savoir. Vous êtes parti de la RDC il y a 3 ans. Quel sentiment vous a d'abord animé afin de rentrer en RDC alors que beaucoup d'opposants sont encore optimistes? Et quel message de paix allez-vous lancer à toutes ces filles et filles du Katanga qui vous suivent à ce moment? Vous savez, d'abord, je voudrais remercier notre Seigneur. Je crois, nous tous ici, nous prions le même Dieu. Ce n'était pas facile d'être en exil, mais le bon Dieu m'avait donné un autre travail. Donc je devais aussi participer à la libération du Congo, avoir les élections, ne pas avoir le troisième mandat, le troisième Popel Nati, si je peux dire ça comme ça. Et aujourd'hui, je suis de retour au pays. Je voudrais d'abord remercier mes compatriotes, et surtout mes amis d'ensemble, parce que mes amis de l'opposition, le président était aussi à l'opposition comme nous. Donc nous avions mené un grand combat ensemble pour que nous puissions vraiment finir avec les antivaleurs dans notre pays. La deuxième question, le message. Le message, c'est un message de la paix. Si je suis rentré au pays, c'est pour que nous puissions voir ensemble l'avenir de notre pays. Les Congolais ont tant souffert et il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup de gens tués. J'ai même demandé s'il y a moyen avec toutes les ONG. Comment est-ce que nous pouvons faire ensemble? Parce qu'on doit réécrire l'histoire de notre pays. Tous ces gens qui ont été tués dans des églises, tous ces gens qui ont été massacrés à gauche, à droite. Parlons de l'Est, Beni, Butembo, à l'Est du Congo, parlons de Kamwenansapu. On doit savoir combien de gens sont morts. Le plus important, il ne faut pas avoir peur de réécrire l'histoire de notre pays. Quand on nous dit que c'est difficile de retracer l'histoire du Congo, et ils ont raison, nous sommes en train de vivre ça. Je demande à vous en tant que journaliste, à toutes les ONG, à tous les avocats, les juristes, qu'on puisse ouvrir un bureau pour recenser tous ces gens qui sont morts. Il y a des gens qui n'ont pas pleuré le leur parce qu'ils ont été interdits de pleurer. Il y a des gens qui ont été en prison illégalement, des prisonniers politiques. Et tout ça, c'est l'histoire de notre pays. Je pense à Jean-Claude Muyambo, Frank Diongo, il y en a plein. Il y a beaucoup de nos jeunes frères, même de Lucha, et Fred Bauma, il y a Carbone, il y a tout ce monde-là. Il ne faut pas avoir peur de réécrire l'histoire. Comment est-ce que nous allons corriger le passé si nous oublions notre histoire? Oui, c'est Hervé Kalogi de Malaika Télévision Lubumbashi. Moïse Katumbi est revenu.
Tout le peuple congolais content, les gens sont venus vous accueillir à l'aéroport. En faisant les micro-baladeurs, les gens parlent des solutions que Moïse apporte. Tout va changer. Permettez-moi de le dire en swahili, Moïse Anakuya, mambo est à changer. Qu'est-ce qui va changer au juste? Et deuxièmement, Moïse Katumbi se donne quelle place dans la classe politique aujourd'hui? Vous savez, Moïse Katumbi est dans une coalition. Donc nous serons une opposition républicaine et exigeante. Nous allons féliciter là où il faudrait féliciter. Nous allons condamner là où il faudrait condamner. Nous n'allons plus accepter la corruption dans notre pays, le trafic d'influence, parce que je suis le fils de, je suis le frère de, je suis le cousin de. Quand vous êtes du Katanga, quand j'ai été gouverneur, est-ce que vous aviez vu mon frère travailler avec moi au gouvernorat, ou ma tante, ou mes soeurs à la douane? Nous devons lutter contre ces antivaleurs-là. Donc le changement, c'est nous tous, c'est vous et moi. Nous devons faire ce qui est bien pour que notre pays puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, nous sommes de l'opposition. Nous devons pousser le gouvernement à faire de bonnes choses pour le pays. Mais, Madame Odia. Et c'est au bien pour téléviser sur ces trois CD. Moïse Katumbi est rentré avec le nom de Maxi. Vous avez dit lors de votre discours à la poste qu'il ne faut pas avoir deux chauffeurs dans un même véhicule. Maxi, c'est le droit. Mais également par rapport à Ensemble, qu'est-ce que Moïse Katumbi veut qu'Ensemble devienne un grand parti politique? Qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut avoir dans Ensemble, parti politique, qu'il n'a pas pu avoir dans Ensemble, regroupement politique? Vous savez, si je parlais de deux chauffeurs, je confirme. C'est comme quand j'avais parlé du troisième faux pénalty. Je laisse la population interpréter ça. C'est comme dans la Bible. Chacun va interpréter de sa façon. Et concernant Ensemble, nous allons faire ensemble un grand parti politique. Et nous aurons aussi des alliés. Donc si je suis là, il y a le vice-président d'Ensemble qui arrive aujourd'hui à Lubumbashi. Il y aura des autres qui vont venir aussi, d'autres personnes qui vont venir d'autres provinces. Donc, nous allons tout faire pour que nous puissions faire un grand parti, un parti modèle. Nous ne voulons pas avoir des opportunistes chez nous. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Emmanuel Ilouna de la radio-télévision Malika de Colisier. Ma seconde question en rapport avec... quand vous étiez gouverneur de la province du Katanga, vos adversaires politiques disent que quand vous étiez gouverneur, vous n'avez rien fait pour la province du là-bas. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Heureusement, le ridicule ne tue pas. La route de Kolwezi, j'ai trouvé la route de Kolwezi. Ma ville préférée d'abord, c'est Kolwezi. Je viendrai à Kolwezi parce que vous saviez vous-même ce que je fais comme... chose de travaux à Kolwezi. Je pouvais quitter Lubumbashi. Les gens quittaient le matin Lubumbashi jusqu'à Dilolo avec le bus. Ils arrivaient, donc ils quittaient à 6h du matin, ils étaient à 16h à Dilolo. Aujourd'hui, vous venez de Kolwezi. Vous faites combien de temps Lubumbashi, Dilolo avec le bus, t'as quoi? Deux jours. Donc je n'ai pas travaillé, je pouvais faire ça pendant 8 heures de route ou 12 heures de route. La route de Kolwezi que j'ai trouvée, c'était une route qui est en terre, qu'on appelait pour le Lushua, les enfants de Kolwezi, Kabulongo. Le pont de l'eau là-bas, il y a des camions qui passaient des jours et des jours parce qu'on devait traverser par la rivière. Le fleuve Lualaba ou la rivière Lualaba. Je construis le plus grand pont de la République démocratique du Congo en béton. 713 mètres, pas financé par la communauté internationale, financé par la province. J'ai asphalté la route de Kasumbalesa jusqu'à Kolwezi avec l'argent de la province. Quand je suis arrivé à Kolwezi,
qu'il n'y avait pas de route asphaltée. J'ai remis de l'eau potable, il n'y avait pas de l'eau potable. J'ai construit des écoles à Kolwezi. Donc j'ai tout fait. Et la réouverture de la brasserie à Kolwezi, donc j'ai incité les investisseurs à venir. Et il y a une chose qu'on oublie peut-être, quand je suis arrivé à la tête de la province du Katanga, il n'y avait que la seule Gécamines. Il n'y avait pas d'autres sociétés minières. Et les gens étaient en train de piller le Congo en exportant le minerai brut. J'ai dit interdire l'exportation de minerai brut. J'ai redonné la confiance aux investisseurs d'investir. En 2006, le Katanga avait exporté que 8000 tonnes de cathode de cuivre, je ne sais pas, 600 tonnes de concentré de cuivre. Mais quand j'ai interdit, une année après, on a exporté plus de 1 million de tonnes de cathode de cuivre. Donc, si Kolwezi vit aujourd'hui, s'il y a les usines aujourd'hui, c'est parce que moi et mon gouvernement, on avait une vision. Si on avait laissé le minerai brut, si on n'avait pas réhabilité la route de Kolwezi, si on n'avait pas asphalté cette route, j'ai reconstruit sur la route 29 ponts sur la route de Kolwezi. Donc, c'est dans le Lois là-bas. Donc, Kolwezi, c'est ma ville. Je suis en train de venir voir les enfants de Kolwezi. Je même reconstruis le stade de Kolwezi. J'ai mis un terrain synthétique à Kolwezi. Donc, j'ai fait beaucoup de choses. La frontière entre Kasaji, entre Dilolo et l'Angola, j'ai construit la douane là-bas aussi. Donc, la route d'ici de Lubumbashi jusqu'à Kapanga. Moi-même, je faisais le safari. Donc, je fais beaucoup de choses. C'est dommage aujourd'hui que ces routes n'ont pas été entretenues. Et j'ai éclairé le premier village au Congo. L'électricité passe dans les deux Kasai, la haute tension. Mais j'ai électrifié Kasai. C'était un projet qui était avec le maréchal Mobutu, le feu président Kabila, et j'ai concrétisé ce projet-là. Kasaji est éclairé, le premier village éclairé au Congo. Aujourd'hui, Kasaji est devenu une grande ville. Les Katangais, vous avez vu, ils parlent de nous. Hein. Rachel. Merci beaucoup, Rachel Kitita. Pour le compte d'Actu 30 Magazine et le site d'information. Le président est élu, a investi, pris fonction. Le premier ministre a été nommé. Il va falloir maintenant former le gouvernement. Est-ce que si le président de la République consultait Moïse Katumbi, vous êtes prêt aujourd'hui à l'accompagner ou même à déléguer vos membres au sein du gouvernement et même dans les entreprises publiques? Deuxième question, vous êtes rentré, Martin Fayulu n'était pas à Lubumbashi pour vous accueillir. Il s'est fait représenter par le secrétaire général de son parti. Est-ce que vous avez déjà parlé avec lui depuis que vous êtes là? Bien que sur son compte Twitter, il a quand même salué votre arrivée. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiapula, est-ce qu'il peut compter sur vous avec votre expertise, vous qui avez pendant plus de 10 ans dirigé la province? Vous savez, le plus important pour moi d'abord c'est la population congolaise. Je reste dans l'opposition. Il y a le premier ministre qui va former son gouvernement. On peut aider notre pays sans entrer au gouvernement. Moïse Katumbi ne va pas entrer au gouvernement. Moïse Katumbi, au contraire, aura un bic rouge. Là où c'est bon, c'est bon. Là où c'est mauvais, là, et nous allons comparer. Nous allons voir, c'est un examen. Nous allons voir s'il faudrait féliciter. Si le gouvernement a 6 sur 10 ou 8 sur 10, nous allons féliciter. Parce que moi-même, j'étais gouverneur. Mais s'ils ont 1 sur 10, nous allons critiquer et nous allons aussi proposer de solutions. Donc je vais rester à l'opposition. Vous savez, l'IDPS, ils se sont battus, je crois, ça fait maintenant plus de 30 ans. Le feu président Tshisekedi n'est pas même encore de retour au pays. Il y a eu le militant, le vrai militant de l'IDPS.
ils doivent occuper des postes parce qu'ils se sont battus pour le changement dans le pays. Moi, je vois très mal comment Moïse Katumbi va quitter aller chercher un poste au gouvernement. Je souhaite à tous les militants de l'IDPS une bonne chance de changer la situation du peuple congolais. Et il y a aussi mon frère Vital Kamerhe avec l'INC. Donc, il ne faudrait pas qu'on... Cette politique, je n'aime pas être opportuniste dans ma vie. Je reste constant dans ce que je fais. J'avais des autres questions sur Fayoulou. Oui, sur Martin Fayoulou, c'est un frère. Jean-Pierre Bemba, ce sont mes frères. Même Martin Fayoulou avec Félix Tshisekedi, ce sont deux frères. Mais je crois qu'ils vont dans la même église. Ils ont le même pasteur. Martin Fayoulou connaît bien Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi connaît bien Martin Fayoulou. Nous ne sommes pas deux ennemis. Je crois, dans notre opposition républicaine, nous avons trouvé une solution. Nous allons mettre les deux frères ensemble. Mettre les deux personnes ensemble, ce n'est pas dire aller entrer dans le gouvernement, non. Nous pouvons être du côté de l'opposition et faire avancer le pays. Qu'est-ce qu'on fait dans le pays? La paix ou le progrès du pays? Moi, je suis un homme du progrès. Si vous aviez vu la population venir m'accueillir, demandez à beaucoup de politiciens qui ont pris leur retraite ou bien qui ont été évincés ou bien qui ont fait beaucoup de temps, qu'ils aillent, qu'ils reviennent au Katanga ou qu'ils aillent dans leur territoire, s'ils seront accueillis. La population, elle sait nous juger sur ce que nous sommes en train de faire sur cette terre. Donc ce que j'ai dit, madame, entre moi et Martin Fayoulou, nous sommes des frères, nous sommes dans la même coalition. Il y a la charte de la Mouka, parce que les journalistes parfois, et surtout nous Congolais, beaucoup de gens n'aiment pas lire, lisez la charte de la Mouka. Que dit la charte de la Mouka? Est-ce que Moïse Katumbi respecte ce qui est écrit dans la charte de la Mouka ou pas? Et là, je crois que la réponse est là-dedans. Et c'est quand la dernière fois que vous avez parlé avec lui, Fayoulou? Nous parlons de temps en temps avec Martin Fayoulou, nous parlons avec tout le monde. Donc, je ne peux pas vous dire le nombre de fois. Il n'y a pas longtemps que Martin Fayoulou était à Bruxelles. Vous nous aviez vu ensemble changer la plateforme électorale de la Mouka en plateforme politique d'opposition. Bien, mes chers amis, nous allons réduire toutes les questions à une seule. La suite peut être prise par une autre personne, sinon on va m'en poser une question. Achille, je viendrai. Homme, France, la parité de la respecter. Achille Kadima, Africa News. Moïse Katumbi est rentré sans son conseil spécial. Salomon Kalonda, président du parti PND avec des députés nationaux et professionnels. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Vous savez, d'abord moi-même j'avais un problème de passeport. Il y a parmi vos amis journalistes, il y a des jeunes gens qui m'ont vu jouer au football, chez nous qu'on appelle les Kifumpa. Ils connaissent très bien ma famille. Moi-même on m'avait privé mon passeport. Moi, je crois que mon conseiller à moi, c'est un jeune frère. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore eu son passeport. Mais c'est un problème que nous allons résoudre. Le problème de passeport, tout Congolais a droit à son passeport. Donc, moi-même, j'étais victime. Peut-être c'est une maladie qui est de mon côté de la famille, parce qu'après moi, c'est mon conseiller. Donc, je ne sais pas le prochain, ça sera qui. Donc, c'est un problème que nous allons résoudre. Et il va revenir au pays, il aura son passeport. Madame Nadine Maïn, du journal télévisé APIC. Président, je vais vous poser une question du public. La question porte sur les amours qu'il y a entre vous et Joseph Kabila. Lorsqu'il parle de Moïse Katumbi, il est comparable à un chien enragé. Et on comprend que ce n'est pas seulement... De la guerre politique, il y a Henri Soroche. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire exactement qu'est-ce qui se passe entre vous et Joseph Kabila? Parce que j'ai ouï dire que vous l'avez roulé dans une affaire et que Moïse Katumbi doit une importante somme d'argent à Joseph Kabila. Si Moïse Katumbi doit de l'argent à Joseph Kabila était président de la République.
c'était lui le commandant suprême, pourquoi il ne m'a pas traduit en justice? Peut-être dans mon sommeil, ou bien avant que je sois né, je devais de l'argent au président Kabila. C'est très faux, ce sont des spéculations. De toute façon, Moïse Katumbi était opérateur économique avant l'entrée de l'Abdel. Avec l'entrée de l'Abdel, peut-être vous oubliez, il y avait le magasin du peuple à Kinshasa, à Lubumbashi. Vous vous rappelez très bien le magasin du peuple? Vous vous rappelez très bien de ça? Des bateaux qui venaient à Matadi avec du poisson? Qui finançait ça? C'était Moïse Katumbi. Je n'étais pas gouverneur. On me doit de l'argent jusqu'à aujourd'hui. Donc je ne veux pas éventrer le boa. Le plus important pour nous, c'est quoi? C'est la paix dans notre pays. Je n'ai pas la haine contre le président de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. J'ai travaillé avec lui. J'ai dit quitter moi-même. J'avais avancé, je crois, si j'ai une bonne mémoire, j'avais fait un communiqué sur mon compte Twitter pourquoi j'avais quitté. Donc j'avais quitté en bonne et due forme. Et nous étions beaucoup de gouverneurs en ce moment-là parce qu'on ne voulait pas qu'on change la constitution, on ne voulait pas la continuité. Et nous étions à 6 à vouloir démissionner. Mais le jour de la démission, le jour qu'on devait démissionner, il y a des gouverneurs qui ne répondaient pas sur leur téléphone. Il y a des gouverneurs qui ont laissé leur téléphone avec leur secrétaire. Je sais pourquoi, parce qu'ils avaient des cadavres qu'ils devaient protéger. Je n'avais pas de cadavres dans ma gestion avec mon gouvernement provincial. Et j'avais décidé, j'ai dit, je dois défendre le peuple, je n'ai trahi personne et je vais défendre strictement, et surtout dans notre charte, la charte de la Mouka. Il y a la défense. On doit défendre strictement notre constitution, surtout dans ces articles intangibles. Là, vous allez me retrouver sur la route. Si j'ai enlevé la chemise, ce jour-là, on va enlever la chemise. On doit protéger notre constitution. C'est votre constitution. Deux, nous allons lutter contre les antivaleurs, la corruption. Le problème de Moïse Katumbi, c'était son bilan à la tête de la province du Katanga et la popularité. Moi, je veux vous dire, quand je suis entré à la tête de la province, peut-être j'avais 10% de chance. Mais j'avais des ministres plus intelligents que moi, qui me donnaient des conseils. C'était une équipe. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des gens plus intelligents que vous et travailler avec eux. Donc, j'ai travaillé avec eux. On a eu un bilan, ce n'est pas le bilan de Moïse Katumbi, c'était toute une équipe. Et aujourd'hui, ce bilan-là, c'est le résultat que vous voyez. Vous pouvez m'amener où vous voulez la nuit. Même maintenant, là, venez avec moi, que ce soit à Kisangani, que ce soit à Matadi. Je n'ai pas besoin de mobiliser. La mobilisation, c'est ce que je fais. C'est ce que je demande au nouveau gouvernement de s'occuper de la population congolaise. Bien, nous allons prendre les 5 dernières questions. Et s'il vous plaît, essayez de poser des questions d'intérêt national qui n'ont pas encore été évoquées. Bien. Voilà, on va passer à moi, c'est James Katamwa. On va parler sport, antenna et correspondant Stade Afrique de France. Alors, vous êtes à la tête de l'un des plus grands clubs de football d'Afrique. On ne peut pas voir Moïse ne pas parler Mazembe. Avec l'envergure que vous prenez de plus en plus, si je m'en regarde, est-ce que vous comptez encore rester longtemps à la tête de Mazembe ou vous allez déléguer le pouvoir et vous concentrer à Afrique? C'est une très bonne question. J'ai souvent réfléchi à ça. Avant que Moïse Katumbi soit à la tête de Mazembe, combien des équipes congolaises participaient à la Coupe d'Afrique, de la Champions League ou de la Confédération? 2 équipes. Est-ce que avant mon arrivée, il y avait une Coupe de la Champions League qui avait atterri au pays? Non. Je me suis mis au travail avec l'équipe. Vous savez, être président d'une équipe,
c'est un grand travail. Je me suis mis au travail et si vous revoyez ma vidéo avec Kaboulo Moana Kaboulo, ce que j'avais promis, je l'ai réalisé même dans le sport. C'est même à la tête de la province, ce que j'avais dit, une grande partie, 70%, j'avais réalisé tous mes projets. Donc, pour moi, je suis en train de voir un successeur, tout dépendra. Je vais appeler l'équipe, c'est l'équipe de supporters de Mazembe. Bientôt, nous allons changer la pelouse synthétique de Mazembe, parce qu'une pelouse, il faudrait respecter le temps aussi. Normalement, c'est maximum 5 ans. Nous allons commencer les travaux bientôt pour que nous puissions encore, que les joueurs ne puissent pas avoir de problèmes quand ils sont en train de jouer. Donc, pour moi, je vais demander aux supporters de Mazembe s'ils sont prêts que je puisse céder la place, je vais céder. Mais Mazembe est devenu une société. Mazembe est devenu une société. Donc, le plus important, j'ai fait très longtemps. Vous savez, je suis chez Mazembe depuis quel âge? Quel âge? Je vous laisse faire des recherches avec Kaos. Bien, madame. Merci beaucoup. Je suis Julie Melia de Univers Group Télévision. Moïse Katumbi, ma chaîne qui émet depuis Kinshasa, a retransmis en direct votre retour au pays par le Lubumbashi. Mais c'était un plateau spécial, c'était à téléphone ouvert, les Kinos ont réagi. Ils ont dit, Moïse Katumbi, c'est quand même un leader du pays, son combat n'est pas provincial, c'est un combat national que tous les Congolais veulent bien accompagner, ils attendent beaucoup de lui. Alors Kinshasa, c'est quand même la capitale de la RDC et le siège des institutions. Pourquoi avait-il préféré d'atterrir à Lubumbashi? Pourquoi il n'a pas commencé à Kinshasa et puis entamer sa tournée dans différentes provinces? Vous savez, Kinshasa, c'est notre capitale. J'aime beaucoup les Kinois. S'il n'y a pas eu de troisième popelnati, c'est les Kinois. C'est un peuple que nous devons féliciter. Les étudiants, la jeunesse kinoise. Je devais commencer par Kinshasa. Pourquoi j'ai commencé par Lubumbashi? Je crois mes frères kinois, parce que quand je quitte le Katanga, le jour que j'arrive à Kinshasa, je deviens kinois automatiquement. Dans mon sang, je suis kinois aussi. Donc, mes frères de Kinshasa, qui sont en train de me suivre, je suis en train de venir. J'étais parti en exil, c'était au Katanga. Il y a eu des gens qui ont été torturés à cause de moi. Les journalistes, je suis très étonné, il y a plusieurs chaînes aujourd'hui. Les journalistes faire passer Moïse Katumbi à la télévision, même pendant le match de football, on mettait un carton devant. C'est l'alternance. Le fruit de l'alternance. Voilà. C'est le fruit de l'alternance. Il faut féliciter des choses positives. Donc, pour moi, je suis en train de venir à Kinshasa. Je vais sillonner toute la République, l'Est du Congo. Je vais aller aussi à l'équateur, à l'ouest, aller partout. Je vais vous inviter partout. Merci. Je suis Congolais et je vais aller communier avec mes frères. Et ils ont vécu l'enfer. Moi, là où j'étais, c'est vrai, je me suis battu. Peut-être un jour, on écrira l'histoire du pays. Qu'est-ce que je fais quand j'étais en exil? Lingala, s'il vous plaît. S'il vous plaît, calmez-vous, On avait commencé par une dame, on terminera par un homme. Merci beaucoup. Patient Ouzouchi, journaliste du Topongo. Même quand vous étiez à l'exil, on parlait de vous. Tout le monde parlait de vous. Pardonner et maintenir la réouverture d'un bureau de recensement pour les crimes des 20 dernières années. Et qu'est-ce qui a changé positivement à votre absence? Vous savez, ouvrir un bureau, c'est l'histoire. On doit réécrire l'histoire de notre pays. Il y a des découvertes qu'on est en train de faire dans notre pays. Je ne sais pas si c'est dans quelle province là, dans quel village. On a retrouvé qu'on apprenait déjà le maths à cette époque-là. Vous vous rappelez de cette province? Vous connaissez, vous, en tant que journaliste? Parce que notre histoire n'est pas écrite. Tous ces morts
notre frère qui est à Kinshasa, bah, tout ce monde-là. Mais on doit recenser. Quand on dit qu'on recense, on n'acquise personne. C'est comme dans l'administration. Moi, quand j'ai quitté, ils ont audité le compte de la province 22 fois. Ce n'est pas m'acquiser. On doit auditer aussi les finances de l'État. Mes chers amis, il doit y avoir un audit international pour savoir ce que le nouveau gouvernement va hériter. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, il va voir, on va le tuer ». Vous pouvez tuer Moïse Katumbi, mais vous n'allez pas tuer la population congolaise. Et s'il m'arrivait quelque chose, la population sait ce qui. Elle n'est pas aveugle, cette population. Et elle va s'occuper de ma mort. Donc, le plus important pour moi, c'est quoi? Nous devons réécrire l'histoire de notre pays. Le pardon. Je ne suis pas saint. Le bon Dieu lui-même nous pardonne. Quand je vous dis, je n'ai pas la haine contre qui, mais il ne faut pas qu'on puisse encourager le mal dans notre pays. Le passé là, on ne doit pas encourager encore que le nouveau gouvernement commence comme dans le passé. Vous vous rendez compte? Il y a des gens qui m'ont trouvé dans ce pays et ils ont décidé que je n'étais pas congolais. Donc, le plus important pour moi, ce n'est pas la vengeance. Je suis un chrétien et je suis sincère dans ce que je suis en train de vous dire. Je suis venu pour la paix. Parce que si j'ai la haine contre quelqu'un, est-ce que le bon Dieu va écouter mes prières? Je ne suis pas le Christ, mais je suis un de ses fils. Je suis Madame Bibika Pinga, ma mission TV. Je pose à Lingala. Madame Bibika Pinga. On va faire un Lingala après. Il n'y a pas de problème. Madame Bibika Pinga, ma mission TV, chaîne en ligne YouTube. Monsieur Moïse Katumbi, à votre retour, il y avait une grande population, tout le monde le sait. Et de votre côté, de voir qu'un jeune de Lubumbashi s'est donné la peine de vous faire une chanson qui est devenue comme l'hymne national. Et c'était toute la population qui chantait. C'était pas votre point de vue. Vous savez, c'est parce que parfois les journalistes sont distraits chez nous. Vous savez, quand on revenait de l'aéroport, il y a un petit qui était monté dans un arbre là. Il a sauté sur moi. Je l'ai pris. Heureusement, il n'était pas blessé. J'ai vu des policiers et des militaires pleurer aussi. C'est parce que vous n'aviez pas pris les images. Si vous avez et cette chanson-là, c'est une chanson que les gens disent. Une chanson fétiche. Je crois qu'il a été inspiré. J'aurai le temps de recevoir l'artiste. Je n'oublie jamais les gens qui font de bonnes choses. Vous vous rappelez très bien qu'il y a un chauffeur qui s'était donné la mort ici à Lubumbashi à cause de la tracasserie. J'avais acheté un bus qu'on avait saisi, que ce bus était un bus volé parce qu'on ne voulait pas que Moïse Katumbi puisse faire quelque chose de bien, j'ai dit acheter un deuxième bis. Où est parti le premier bis? C'est du vol, ça. Cette femme-là, son mari, s'est donné la mort pour dire non à l'injustice. C'est vrai. C'est vrai. Il y a des choses, quand même, où nous devons regarder deux fois. Stanley Bougatera, actualité pensée des jeunes Afriques. Monsieur le Président, quand est-ce que précisément vous allez commencer votre safari? Et puis je voulais savoir, est-ce que depuis que Félix Tshisekedi est devenu président de la République, vous l'avez vu déjà au téléphone, l'avez vu déjà échanger, et comment ça se passe? Vous savez, je vais annoncer les safaris bientôt. Félix Tshisekedi est un frère, est un opposant, est un frère aussi à Martin Fayulu. C'est un frère à Jean-Pierre Bemba, c'est notre frère. Moi, j'étais gouverneur du Katanga, le grand Katanga. Il y a eu la malchance d'être morcelé à cause de Moïse Katumbi, parce qu'on voulait faire de ces provinces la Suisse du Congo. Je sais, quand j'étais gouverneur,
qu'il fallait travailler pour la population. Le président Tshisekedi est là, il est en train de faire un grand travail. Il venait d'arriver, il devait nommer son premier ministre. Donc, pour le moment, moi, je ne suis pas quelqu'un qui dérange. Il y aura un moment où toute l'opposition, la Mouka, nous sommes de l'opposition républicaine. Moi, je ne veux pas vivre comme dans le radicalisme, non. L'opposition, la Mouka, aura le temps de voir le président Tshisekedi. C'est ça la reconstruction d'un pays. Mes chers amis, qu'on ne puisse pas vous dire parce que vous êtes allés voir le président. Non, nous partirons ensemble avec mon frère Martin, avec Jean-Pierre Bemba et tous les autres. Donner notre point de vue, ça ne sera pas pendant la nuit. Moi, je ne suis pas un politicien de la nuit. Je suis un politicien de la journée. La nuit, je ne suis pas... La nuit, je deviens chrétien parce que je me remets à mon Dieu, je vais dormir en paix. Mes chers amis, merci, nous allons dépasser 50 minutes. Je vous en prie. On ne va pas s'éterniser ici. Une annonce pour les sportifs. Vous pouvez précéder le président au stade. Il va lancer les travaux du changement de la pelouse du stade TP Mazembe à Kamalondo. Merci. Et j'ai pris l'ami de TV5 de rester. Le Lingala, il a dit qu'il aura un temps pour faire toute une émission à Lingala. Mais Lingala, pour rentrer quand? Demain. Bon, on fait d'abord avec TV5, on suit le protocole. Hein. Je ne veux pas casser le protocole, vous savez. Il faut respecter le... Merci. Bon, vous rentrez. D'accord. Okay. Si vous pouvez laisser maintenant votre collègue de TV5 faire son travail, et les sportifs, vous pouvez devancer au stade dans une heure, le président sera là. Vas-y, bon, on gagne du temps. Bon, c'était là, Maurice Carton de Chapeau en face. Donc, je pense que. C'est le téléphone de qui? Il y a un micro. Le téléphone? Et le micro? Il y a un micro aussi. C'est pas du micro, non? Très bien. Micro. Mais qu'est-ce que c'est bon? Partagez, commentez et surtout abonnez-vous à ma page. Au revoir, à bientôt. Ainsi se termine donc la conférence de presse de Moïse Katumbi. Vous avez suivi le direct tout à l'heure. Il ne fera pas partie du gouvernement. Il aura un bic rouge pour contrôler, corriger le gouvernement, applaudir là où il faudra applaudir et critiquer là où il faudra critiquer. Martin Fayulu, c'est son frère. Félix Tshisekedi, c'est son frère. Ben, vous avez suivi tout ça. Partagez la vidéo et on se retrouve pour une autre occasion, pour un autre direct, en direct de sa résidence ici à Lubumbashi. Merci de nous avoir suivis. C'est tout simple, point CD. Bonjour, ça va maman? Ça va et toi? Je suis en train de terminer mon direct. Thank you.
stratégie. Qu'est-ce que c'est elle. Bonjour madame. Ah madame, je vous cherche. Ah vous me cherchez. Oui. On peut faire une photo. Merci.